Hello à tout le monde. Avant de commencer cette vidéo, je préfère faire bref, court et précis parce que je pense que vous avez dû l'entendre un milliard de fois. Bonne année, la santé c'est le plus important et on commence cette vidéo tout de suite, c'est parti. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, on va parler de mes résolutions 2019 ou tout simplement de mes objectifs 2019 et ce qui va se passer pour la chaîne. Pour cette année. Voilà, donc pour les personnes qui n'auraient pas trop envie de regarder les résolutions et qui s'en foutent complètement, vous pouvez passer directement au minutage que je vais vous mettre juste là où vous en saurez un peu plus sur ce qui va se passer sur la chaîne. Et pour les autres, bah, yas, posez-vous, on va rester tranquille, on va parler, tout ça, ya. J'ai pas fait un récapitulatif de mon année 2018 because j'ai eu pas mal de problèmes, mais en gros, j'ai réussi à avoir mon bac avec mention, donc yas. J'ai réussi à rentrer dans l'école que je voulais, sauf que bah niveau thune ça suivait pas, donc je l'ai réussi, sauf que bah voilà. Ensuite, rester positive, bullshit, j'ai pas réussi. Ensuite, me foutre du regard des autres, c'était compliqué, donc j'ai pas réussi. Reprendre la danse, j'ai pas réussi. Et je crois que j'ai fait le tour, voilà, donc cette année 2018 est assez laborieuse les gars, mais on fera mieux en 2019, c'est parti. La première résolution est la plus importante parce qu'en fait elle joue un truc de ouf, c'est de rester positif, plus égal, plus, faut que je l'imprime et que je le foute dans mon cerveau. Parce que je suis la première à dire ah plus égal plus aux autres, mais quand c'est pour l'appliquer à moi, personnellement, il n'y a plus personne, vraiment. Pour vous donner un petit exemple, quand j'ai été acceptée dans l'école où je voulais, qui était Moda Domani, je me suis dit, j'ai dit à ma mère, maman, si je peux pas rentrer dans cette école là, à cause de la thune, je sais que je vais rentrer dans aucune autre école. J'ai dit ça. Eh, le destin m'a entendu, il a fait ah bah d'accord, tu rentreras dans aucune école. Et pour l'instant, bah, année sabbatique mon gars, parce que j'ai pas trouvé d'école. Donc pour vous dire que quand tu penses négativement, il y a que de la merde qui t'arrive. Et quand tu penses positif, bah, il y a des trucs positifs qui t'arrivent. Et aussi me concentrer sur tout ce qui est développement personnel. Voilà, parce que je pense que j'en avais pas mal besoin. Du coup, si vous êtes intéressé par le développement personnel, je vous mets le lien d'un podcast qui est super bien, qui change ma vie. Et voilà, parce que je l'aime beaucoup trop. Et il parle aussi de la loi de l'attraction. Donc au cas où, je vous mets tous les liens en barre d'informations pour les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est la loi de l'attraction et le développement personnel. Voilà, deuxième résolution, reprendre la danse. Alors personnellement j'ai une relation avec la danse assez spéciale parce que je l'ai fait pendant 4 ans et plus petite aussi j'en faisais mais je m'en souviens même plus, je faisais de la danse moderne ce qui paraît. Vraiment la danse que j'ai le plus aimée c'était le hip-hop, mais j'ai dû arrêter parce que je pense que pour les personnes qui ont regardé cette petite vidéo là, vous avez compris que j'ai vraiment dû, enfin avec le regard des autres et tout, j'ai vraiment eu du mal à reprendre la danse. Et sauf que là en fait je sens que j'ai besoin d'avoir un exutoire et j'ai besoin de lâcher tout ce qui doit être lâché. Et du coup ça me fait super peur de reprendre la danse parce que je sais que si je me mets à danser, bah il y aura beaucoup d'émotions qui vont remonter et ça me fait super peur de les affronter. Mais j'ai vraiment cette envie de redanser, donc peut-être pas, donc pas du hip-hop ça c'est sûr, parce que il y a beaucoup trop de souvenirs enfouis avec cette danse là, du coup je peux vraiment pas, j'adore le hip hop mais là je pourrais pas. Ce serait plutôt de la danse moderne, dans tous les cas je sais juste qu'avec la danse tu peux t'exprimer. Et avec la danse classique, j'aimerais beaucoup apprendre les bases de la danse classique parce que je suis actuellement en train d'écrire, c'est un stand-by, mais actuellement en train d'écrire un livre qui parle de danse classique, bon, pas en sa totalité mais qui parle sur quelques points de danse classique et du coup bah si j'en parle faudrait quand même que je la pratique pour au moins ne pas être faussée dans ce que je dis. À propos de YouTube, faire des vidéos qui me plaisent plus parce que je vais pas dire que les vidéos que je fais ça me plaît pas parce que je kiffe, t'as vu je kiffe ma vie quand je filme, mais j'ai vraiment envie de faire des vidéos plus artistiques qui me ressemblent plus. Je kiffe être aussi dans ce mood où je me pose, je pose mes fesses et où je vous parle, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'aimerais beaucoup vous embarquer avec moi et vous montrer des paysages, des trucs que je vois, tout ça, et j'avoue que j'aimerais beaucoup faire plus de vidéos artistiques, des vlogs et voilà, donc des vidéos que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps mais que j'ose pas forcément, et aussi être plus régulière parce que quand j'ai compté le nombre de vidéos que j'avais fait cette année, je suis tombée sur le cul parce qu'en fait j'en ai fait deux fois moins que l'année dernière. Cette année en fait j'ai rien foutu. J'ai rien foutu, donc vraiment reprendre les vidéos à un rythme de vidéos régulière, en tout cas pour l'instant, une vidéo par semaine sera très bien. Qui sera les dimanches. Dimanche à 10h, c'est bien, hein, parce que au moins tu te réveilles, t'as la tête dans un peu, et en prenant ton petit déjeuner, tu regardes ma vidéo. Un autre objectif, c'est de sortir de ma zone de confort. Parce que dans ma zone de confort, j'y reste, mais j'hiberne là-dedans. Je vous promets, j'hiberne, j'y bouge pas, je mets pas un petit doigt de pied dehors de cette zone. C'est un cercle autour de moi, et dans ce cercle, il y a Netflix, la bouffe.
et mon lit. Donc tout ce qu'il y a autour, je ne touche pas. Voilà, donc c'est vraiment sortir de cette putain de zone de confort parce que j'en ai vraiment marre. Parce que pour vous dire, je suis allée avec mon copain au ramen à Kodawari Ramen qui pépite plus plus. Et du coup, j'allais faire une crise d'angoisse parce que je me sentais vraiment pas bien. C'était l'une des fois où je devais sortir dans la zone de confort parce que j'ai du mal à sortir avec plein de monde autour. Oh, ça me. Je suis à deux doigts de te faire une crise de panique là. Mais c'est vraiment un exercice en fait que tu dois faire tout le temps. Et plus tu le fais et moins t'as peur de sortir de ta zone de confort. Un autre objectif pour cette année 2019, c'est de tout simplement lire davantage. Parce qu'en fait, cette année, j'ai eu une énorme panne de lecture. J'ai lu un livre, ou ouais, je crois un livre, enfin, voire deux, parce qu'en fait, j'ai sur Wattpad aussi. Et franchement, c'était lamentable. Lamentable, je me suis écrasée la gueule. Comme ça, comme un petit caca, et franchement c'était horrible parce que j'arrivais pas à lire. Je sais pas ce qui se passait dans ma tête, mais j'arrivais vraiment pas à lire. C'était une grosse panne de lecture. Et ce qui m'a redonné le goût à la lecture, c'est vraiment Seulement 3 mois de Lauren Ressart, mais que c'est Queen en fait. Je vous ai filmé la vidéo où je vous parlais de mes favoris de l'année, et elle, c'est une auteure qui fait battre mon cœur, que j'aime d'amour, et que je pourrais parler d'elle des heures. Qui est une pépite, cette fille, c'est une auteure qui est publiée chez Hachette. Elle a déjà publié 3 livres, donc moi j'en ai 2. J'ai Dans la tête d'une garce 1, et je suis en train d'actuellement lire... Ah, et je suis actuellement en train de lire Mission Séduction qui est sortie le 2 janvier, et je suis trop... Je suis beaucoup trop contente de l'avoir parce que c'est une pépite, et parce que cette auteure m'a vraiment fait me réconcilier avec la lecture. Et du coup, j'ai lu seulement 3 mois sur Wattpad. C'est complètement gratuit, donc si vous voulez aller checker, moi pour ça me ferait trop plaisir que vous alliez regarder tout ça et tout ça, vous laissez des commentaires et tout, parce que franchement l'histoire elle est pépite plus plus. Et en plus, vous pouvez aussi avoir les premiers chapitres de Dans la tête d'une garce. Mia c'est une queen, Mi Van pour la vie forever. Et vous pouvez aussi avoir le préquel de Mission Séduction. Et vous avez aussi les premiers chapitres de Mission Séduction. Donc pour les personnes qui se disent « Oh, je sais pas si je veux l'acheter ou pas », bah, bref, cette auteure, je l'aime beaucoup trop. C'est une pépite plus plus. C'est vraiment mon auteure favorite, enfin préférée de tous les temps. Malgré le fait que je lise pas énormément, c'est vraiment elle qui arrive à transmettre ce truc, en fait, que personne d'autre arrive à me transmettre. Et elle me fait mourir de rire. Elle a un humour, mon gars. Je sais pas d'où elle va chercher tout ça. Mais moi, je l'aime beaucoup trop. Et je vous conseille d'aller lire ses livres. Et tout ça, et voilà, bref, tout simplement cette année, lire en masse les gars, parce que c'est la vie. Un autre objectif, c'est de reprendre en main mon compte Bookstagram, because ça manque trop de faire des photos pour Bookstagram. Qu'est-ce que c'est Bookstagram? C'est tout simplement un Instagram, sauf qu'en fait tu partages tes lectures. Voilà, c'est aussi simple que ça, et c'est vraiment une communauté que j'aime énormément. C'est vraiment, les gens ils sont bienveillants avec toi, ils partagent leur avis sur la lecture et tout. Ça fait que j'ai beaucoup aimé cette communauté, le fait qu'on partage énormément. Et franchement, ça m'a fait trop de la peine un peu de délaisser mon compte Bookstagram parce que j'avais une énorme panne de lecture, un truc de malade. Et ça me fait, enfin là, le fait de relire davantage, bah, ça me fait trop plaisir de pouvoir revenir sur mon compte Bookstagram. Donc pour les personnes qui voudraient me suivre, je vous mets mon Instagram juste là et en barre d'informations, pardon. Et c'est read with haha. Haha, enfin Ambranaï, t'as vu, enfin voilà. Simple et basique, on adore. Un autre objectif résolution, c'est de réussir à voyager. Tout simplement parce qu'avec Banana, des bisous si tu passes par là, on veut aller à Los Angeles depuis l'année dernière déjà. Et en fait, là, on est en train d'économiser. C'est très compliqué d'économiser, les gars, un truc de malade. Pour pouvoir aller à Los Angeles, parce que moi je veux vraiment aller à Santa Monica, c'est mon rêve ultime, vraiment ultime de toute ma vie. Et d'y aller avec Vaiana, bah je sais pas, en fait on est dans la même vibe, plus égale plus, tout ça, hein. Vraiment motivation, queen, because en fait on est des queens, t'as vu, yeah. Bref, on est vraiment trop le même mood, et du coup on voudrait vraiment y aller toutes les deux cette année. Et là j'essaye d'économiser au maximum pour pouvoir voyager avec elle. C'est vraiment compliqué d'économiser, mais... à la fin, je me dis en fait que ce sera tellement gratifiant d'y aller avec elle, de passer vraiment 3 semaines là-bas, et on va tellement kiffer notre vie que voilà. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant, et dans le petit weekly book qui est juste là, vous avez vu quand même les petits avancements, les petites recherches qu'on a fait, tout ça. Mais voilà, c'est que va devenir ma chaîne en 2019. Alors, j'ai voulu faire tourner un peu ma chaîne vers un côté que j'avais pas l'habitude, mais c'est vraiment, en fait, je me suis dit, Ambranaï, qu'est-ce que t'aimes faire hormis Netflix et bouffer comme une vache et rester dans ton lit toute la journée? Et moi je me suis dit que j'aime énormément aider les autres. Aider les autres à les faire avancer, à les faire sourire, à les faire atteindre un objectif. Et je me suis dit, pourquoi tu ne fais pas des vidéos qui parlent de productivité et de motivation? Plus égale plus, mon gars. Yeah.
Du coup, je me suis dit que ça pouvait être super bien de partager avec vous des petites astuces que j'ai ou tout simplement faire des vidéos concernant la procrastination, dont si la procrastination devait représenter quelqu'un, ce serait moi, hein, voilà. Et du coup, concernant la procrastination, concernant l'organisation, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, personnellement, je voulais aussi vous faire des vlogs une semaine sans ça, une semaine, exemple, une semaine pour sortir de ma zone de confort. Donc chaque jour, je fais quelque chose pour sortir de ma zone de confort. Une semaine où chaque jour, je me fixe un objectif et pas deux, genre juste un seul, et on voit comment ça fonctionne. Voilà. Et voir en fait comment ça peut évoluer. Donc après, je trouvais ça cool parce que personnellement, je suis pas une personne organisée, mais de vous donner ces petits conseils et moi aussi me les appliquer et que vous voyez un peu comment ça rend, ça peut aussi peut-être vous intéresser. Donc voilà, c'est vraiment le plus gros, les plus gros, la grosse catégorie qui va arriver de nouveau sur ma chaîne, ce sera la productivité et la motivation. Après, je vais pas vous faire des vidéos tous les mois non plus, hein, parce que je pense qu'à la fin ça va vous saouler, mais je pense que quelques vidéos par-ci par-là, ça pourra vraiment vachement vous aider. Une autre catégorie de vidéos que je vais rapporter sur, enfin, que je vais mettre sur ma chaîne, que je vais faire depuis très longtemps, c'est tout simplement les catégories lecture. Mes lectures du moment, tout ça, parce que c'est vraiment un truc que j'ai vraiment envie de partager avec vous, et tout simplement aussi pour les personnes qui me suivent sur mon Bookstagram, ça pourrait être cool pour eux d'avoir un lien dans ma bio où ils peuvent directement voir enfin, les vidéos que je fais à propos de lecture. Donc je sais que la lecture ça ne plaît pas à tout le monde, mais si au moins je peux vous passer un message de yas, lire c'est bien, enfin, voilà, t'as vu. Après je sais que lire c'est pas le goût de tout le monde, hein, mais après c'est juste tout simplement pour partager davantage une autre facette de ma personnalité que vous ne voyez pas forcément. Mais moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait du bien de revenir après pas mal de temps où j'étais pas très dans une très bonne phase. Mais je suis là, plus motivée que jamais à vous faire des vidéos de qualité, mon gars, ya ya ya. Et je suis trop pressée de vous faire les nouvelles vidéos dont je vous ai parlé. N'hésitez surtout pas à me dire en barre de commentaires si ça vous intéresse, si vous êtes super contente de voir cette catégorie de vidéos, que si vous allez les regarder ou non, ça m'intéresse aussi. De répondre aux petites questions. N'hésitez surtout pas à laisser des petits commentaires, à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si ça vous dit. Moi, je vous aime énormément et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye, je vous aime and stay confident, guys. Bye.